Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8. Ça avance vite quand même. Hein? Verset 48. Aum Nipashita Gyanam Aum Nipashita Gyanam Riti Rudham Duratmana Riti Rudham Duratmana Parakyasya eva dehasya Parakyasya eva dehasya Vavyo mekshu vinirhata Vavyo mekshu vinirhata Ahumi pashita gyanam Ahumi pashita gyanam Riri rudham duratmana Riri rudham duratmana Parakyasya eva dehasya Parakyasya eva dehasya Vavyo mekshu Shokinirhata. Traduction. Oh, regarde comme mon esprit est mauvais et profondément enraciné dans l'ignorance. Pour ce corps qui un jour va devenir la nourriture des chacals et des vautours, j'ai causé la mort d'innombrables hommes. Commentaire. Shila Vishwanath Chakravarti Thakur, cite Yudhishthir. Pour ce corps qui finira comme nourriture pour les chiens et les chacals, j'ai tué beaucoup de bataillons Akshoyini. Vyasa a décrit un Akshoyini. On va passer le verset. Au meilleur des Brahmanas, ceux qui comprennent le comptage savent qu'un Akshoyini est composé de 21 700 chars et du même nombre d'éléphants, de 109 350 fantassins et de 65 610 chevaux. Gyananjara Shrakaya Chakshurun Niditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadhati Svapadantikam Hey Krishna Karna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpataru Vyashta Kripa Sindhu Vyahiva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Krishna Prashtaya Bhutare Shimate Bhaktivedanta Salinite Namine Namaste Sarasvara Devere Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatyade Shatarine. Donc c'est très intéressant dans ce verset, dû à son extrême humilité, Yudhishthira Maharaj s'est dit, donc j'ai tué, avec ce corps, j'ai tué des millions de personnes, mais ce corps même, un jour, va devenir la nourriture des chakras et des vautours. Donc, ce corps même va être détruit un jour, pourquoi ai-je pris le temps de détruire d'autres corps? Intéressant. Parce que lui, il considère que son corps n'a pas de valeur. Intéressant. Parce que c'est un dévot, donc il voit la valeur dans l'âme qui est connectée à Krishna. Donc c'est pourquoi il pense que son corps est juste de la nourriture pour les vautours. Parce que sa valeur n'est pas dans le corps. Et c'est dû à sa profonde humilité. Donc c'est un très beau verset. En fait, ça me rappelle aussi dans sa rencontre avec Dharmaraj au lac de Dharmakun, lorsqu'ils ont voulu s'abreuver, les cinq Pandavas, donc un à la tête de l'autre, sont allés, en commençant par Arjuna, si je me rappelle bien. Et donc, lorsqu'ils sont venus pour aller voir l'eau, Dharmaraj, qui s'est fait passer pour on pourrait dire un maître qui protégeait ce Kun, donc il leur a dit, non, je vous interdis de boire cette eau. À moins que vous répondiez à cette question. Et donc, ils n'ont pas écouté sa requête et ils sont allés directement voir de l'eau. Ils ont immédiatement quitté leur corps. Jusqu'à temps que Yudhishthira Maharaj rencontre à nouveau, retourne à cet endroit et qu'il décide de répondre aux questions. Parce qu'il a vu justement que tous ses frères étaient morts. Et donc, une des premières questions que Maharaj lui a demandé, donc, quelle est la chose pour toi, selon toi, quelle est la chose la plus surprenante dans ce monde? Et Yudhishthira, il a dit, la chose qui est la plus surprenante, c'est que tout le monde meurt alentour de nous, mais une personne pense toujours qu'elle va continuer à vivre. Elle oublie qu'elle va mourir un jour et elle continue à vivre comme si rien n'était. Ça, c'est la chose la plus surprenante. Donc, ça nous rappelle un peu aussi... quelle était sa compréhension de la mort. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques divertissements spéciaux. Mais avant tout, je voulais un peu glorifier les gloires de l'écoute. Donc, dans le Chaitanya Bhagavat, dans le Madhya Lila, du Chaitanya Bhagavat, si je me rappelle bien, c'est le chapitre 21. Donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il fait un commentaire sur ce verset et il explique que celui qui écoute d'une manière appropriée, celui qui écoute bien le Bhagavatam, alors lorsqu'il chante les noms de Krishna, lorsqu'il écoute les qualités de Krishna, sur ses divertissements, sur ses associés, alors cette écoute et ce chant se manifestera dans son cœur. Comme Vrindavan. Alors Vrindavan se manifestera dans son cœur. Et comme Vrindavan sera dans son cœur, alors Krishna Chandra viendra vivre dans son cœur. Parce que Krishna réside à Vrindavan. Donc, en d'autres mots, donc l'écoute sincère des gloires de Krishna, elle manifeste Vrindavan dans notre cœur. Et Krishna veut vivre dans notre cœur par la suite. C'est tellement puissant l'écoute de Vrindavan. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que Vrindavan n'est non différent de ses gloires. Lorsqu'on entend les gloires de Vrindavan, alors on est à Vrindavan. Comme par exemple, il y a un verset, je crois que c'est dans le premier chant, chapitre 13, verset 26. Donc, comment il s'appelle? Vidura. Donc Vidura, il rencontre Yudhishthira Maharaj et lui dit... je n'ai plus besoin d'aller dans les lieux de pèlerinage parce que en ta compagnie, comme tu portes Krishna dans ton cœur, alors tu es toi-même le lieu de pèlerinage.
Donc il porte Krishna à son cœur parce qu'il se souvient toujours de Krishna. Donc l'écoute, c'est quelque chose de très spécial. Parce que j'oublierai jamais ça, et pour moi, ça a été quelque chose de très spécial dans la compréhension de l'écoute de Braj. Donc Bhaktivedanta Damodar Swami, lorsqu'on était dans un pèlerinage à Navadvipa, il a dit que lorsqu'on écoute sur Braj, on est introduit à Vrindavan. C'est notre première introduction à Vrindavan, c'est sur l'écoute de Braj. Et ensuite, j'ai lu le Vrindavagavatamrita. C'est tellement une belle glorification de Vrindavan. C'est très beau. Donc, on se rappelle qu'il y a l'histoire de Gopakumar. Et donc, après avoir lu toutes ces glorifications de Braj, je me suis dit, wow, ok, là, je comprends. On ne peut pas rester indifférent à Vrindavan. Vrindavan prend notre cœur. Personne ne peut rester indifférent à l'amour et la douceur de Vrindavan. C'est ça que j'ai compris, c'était ma conclusion après avoir lu le Vrindavagavatamrita. Et une autre réalisation que j'ai eue aussi, je me suis dit, si on s'absorbe trop dans Vrindavan, on deviendra fou. Parce que Vrindavan, c'est tellement prenant qu'après ça, on n'arrive plus à rien faire d'autre. Et je me disais, j'étais inquiet à m'absorber trop dans Vrindavan, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne voudrais plus vivre, je n'aurais plus le goût de vivre, en fait, si je m'absorbe trop dans Vrindavan. Parce que c'est notre réalité éternelle. Donc, après ça, on réalise qu'on est juste un fantôme dans ce monde. Et, la seule chose qu'on veut faire, c'est s'absorber dans l'histoire de Raj. Parce que c'est notre réalité, c'est notre vraie réalité. Donc, c'est pourquoi l'écoute de Braj, c'est quelque chose de très spécial et c'est quelque chose qui nourrit profondément aussi notre chant. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique que la base de notre chant, c'est le Srimad Bhagavatam. Et le Srimad Bhagavatam décrit l'histoire de Braj. Donc, pour pouvoir chanter, on doit connaître Krishna. Comment est-ce qu'on peut avoir du goût à chanter et non Krishna si on ne sait pas qui est Krishna? Donc, c'est en connaissant Krishna qu'on est attiré par lui. Et quoi de mieux que des gloires de Braj pour être attiré par Krishna? Srila Prabhupada disait, donc, il avait envoyé une lettre à Kandar Das Brahmachari. Probablement qu'il était jeune parce qu'il lui commence par la lettre en lui disant que je te remercie, merci de continuer tes cours d'arithmétique. L'arithmétique, c'est quelque chose de simple. En réalité, on regarde que 2 plus 2 égale 4, 5 plus 5 égale 10, et Krishna plus tout le reste égale Vrindavan. Et donc, si tu n'oublies jamais Krishna, alors tu seras toujours à Vrindavan. C'est ça la simplicité de Brahma. 2 plus 2 égale 4, 5 plus 5 égale 10, et Krishna plus tout le reste égale Vrindavan. Si tu n'oublies jamais Krishna, alors tu resteras toujours à Vrindavan. C'est beau, hein? C'est ça, en fait, la simplicité de Braj. C'est extrêmement simple, en réalité. Il faut juste s'absorber dans cette écoute. OK, donc, on n'a pas d'excuses, en réalité. On n'a pas d'excuses de « Ah, j'arrive pas à m'absorber dans Krishna, ah, je suis trop dans Maya, ah, peu importe. » On n'a pas d'excuses parce qu'il y a tellement de choses, on a tellement de ressources à notre disposition pour nous absorber dans Krishna. Donc, si on dit qu'on n'arrive pas à s'absorber dans Krishna, en réalité, c'est entièrement notre faute. C'est la faute de personne d'autre. Parce qu'on a tellement d'informations sur Krishna, c'est tellement hallucinant. Pour vous le prouver, je vais vous lire, d'accord, quelques passages du Radha Krishna Ganadesh Dipika, qui décrit les ornements de Krishna et de Radharani. Regardez bien ça, ou écoutez bien ça. Vous êtes prêts? Donc, les ornements de Krishna. Le miroir de Krishna s'appelle Saradindu et son éventail s'appelle Maru Maruta. Donc, dans quel autre texte on peut avoir une information sur les ornements, le nom des ornements de Krishna? C'est spécial. Et avant de commencer ça, pourquoi en fait j'avais envie que vous écoutiez ces noms? C'est parce que, en fait, les noms, c'est quelque chose qui est tellement spécial. Donc, on comprend que Krishna a des noms différents de son nom, mais aussi les noms des acharyas. Comme par exemple, à Vrindavan ou à Mayapur, ou dans les lieux saints, il y a différentes sortes de samadhi. Il y a les Nama Samadhi, il y a les Pushpa Samadhi, et il y a les...
C'est quoi le nom pour le samadhi avec le corps? Je ne sais pas s'il y a un autre nom. En tout cas, il y a les, je pense que c'est des grands temps samadhi, quelque chose comme ça. Donc, il y a trois sortes de samadhi. Donc, il y a un samadhi, on pourrait dire le samadhi traditionnel, c'est celui où on prend le corps du Vaishnava et on le place dans, en dessous de la terre et on en fait un samadhi. Donc, ça, c'est le samadhi en règle générale. Mais il y a d'autres sortes de samadhi aussi. N'importe quel objet qui a touché le corps du Vaishnava qui a quitté son corps devient en fait imbibé, infusé de toute sa présence. Et c'est pourquoi, comme par exemple, à Vrindavan, il y a le samadhi de Prabhupada avec son corps, et à Mayapur, donc il y a son Pushpa Samadhi avec une guirlande de fleurs qui a été placée sur le corps de Prabhupada après qu'il ait quitté son corps. Donc tout ce qui a touché le corps du Vaishnava devient imbibé de toute sa présence aussi. Donc c'est pourquoi aussi, comme par exemple, il y a des samadhis, comme il y a un samadhi avec une dent de Gadadhar Pandit, il y a un samadhi avec les cheveux de Chaitanya Mahaprabhu à 4 heures. Donc, il y a des samadhis avec des ongles, avec des japamala, de différentes choses, soit du corps, soit des objets que ces Vaishnavas avaient. Et donc, même ces objets, ils contiennent toute la puissance, en fait, toute la présence de cette personne. Mais il y a aussi les namasamadhis. Namasamadhi, c'est un samadhi qu'on fait juste avec un nom. Donc, si on voudrait ici, on pourrait faire plein de samadhis en mettant la photo de l'acharya et en inscrivant son nom, par exemple. Comme à New Vrajadam, la communauté de Shivaram Maharaj, ils ont ces genres de samadhi. Donc, chaque maison de ses disciples contient un samadhi. Donc, il y a un samadhi, comment on dit shrine en français? Shrine, je ne sais pas comment dire en français. Un sanctuaire peut-être? Un petit sanctuaire, donc on pourrait dire un petit hôtel. C'est pas exactement un hôtel, mais c'est un shrine. C'est comme quelque chose qui entoure, en fait, quelque chose d'autre. Donc, un sanctuaire, je sais pas d'autres mots. Et donc, chaque maison contient un samadhi, un nama samadhi. Et donc, Shivaram Maharaj, j'ai demandé à chacun de ses disciples d'adorer un peu ce samadhi. Et comme il y a le nom d'inscrit, ça contient toute la présence, en fait, de cette personne. C'est ça qui est spécial avec le nom. C'est pourquoi aussi quand on chante, par exemple, les Premadvani, c'est tellement spécial parce que lorsqu'on chante les noms des Vaishnavas, on invoque leur présence aussi. C'est la même chose lorsqu'on chante les noms de Krishna, on invoque sa présence aussi. Donc, il en va de même pour tous les Vaishnavas. C'est pourquoi chanter les noms des Vaishnavas, c'est quelque chose de tellement spécial. Parce qu'ils sont très miséricordieux aussi. Ils manifestent leur présence dans leur nom. Donc, que dire du nom de Krishna, c'est exactement la même chose aussi. C'est pourquoi l'écoute, en fait, c'est comme connecter le chant et l'écoute. On chante et on écoute. Et comme ça, on est dans la présence de Krishna et de ses associés. OK? Donc, c'est pourquoi je voulais vous partager. Écoutez bien, c'est tous ces ornements sont des personnes. Et lorsqu'on écoute leur nom, ces ornements, on devient en contact, en fait, avec ces ornements. Et c'est pour nous montrer à quel point, en fait, les descriptions de Krishna, elles sont personnelles. Elles sont vraiment détaillées. Donc, le miroir de Krishna s'appelle Sarabindu et son éventail s'appelle Maluta. Donc, il faut comprendre que tout ça, ce sont des personnes. Sa fleur de lotus, qui est, en fait, c'est comme un jouet pour lui, comme Radharani, elle a souvent une fleur de lotus qu'elle porte dans ses mains, qu'elle fait tournoyer. Krishna aussi, il a souvent une fleur de lotus qu'il apprécie personnellement. Et donc, cette fleur de lotus jouet, non, lotus toy en anglais, s'appelle Sadasmera. Et sa valve qu'il utilise pour jouer, donc même sa valve, c'est décrit, s'appelle Chitra Koraka. Donc, il doit avoir des définitions pour chacun de ses noms, mais ce n'est pas décrit par Rupa. C'est Rupa Goswami qui décrit ça. L'arc d'or de Krishna s'appelle Vilasa Karmana. Et même les deux extrémités de cet arc sont parsemées de bijoux. Et il a une corne nommée Manju Lasara. Bon, sur l'arc, il y a deux personnes. Il y a l'arc d'or. Et donc, il y a aussi la corde qui est une autre personne. Ses ciseaux scintillants à manches de bijoux s'appellent Tustida. Sa corne de buffle s'appelle Mandragosa. Et sa flûte s'appelle Bhupana Mohini. Mais il y a Krishna, il y a différentes sortes de flûtes. Donc, il y a des flûtes qui sont 18 pouces. Je crois que ce sont les 26 sont 12 pouces. Je ne sais pas c'est lesquelles. On n'avait plus des noms, donc il y a des flûtes de 18 pouces, de 12 pouces et de 6 pouces. Il y a des flûtes en bambou,
Il y a des flûtes en diamant, il y a des flûtes en or, il y a différentes sortes de flûtes. Krishna a une autre flûte nommée Mahananda, qui est comme un hameçon qui capture le poisson du cœur et de l'esprit de Srimati Radharani. Il accroche son cœur. C'est beau, hein? Une autre flûte qui a 6 trous est connue sous le nom de Madana Jankriti. OK, en plus, la flûte de Krishna nommée Sarala émet un son bas et doux comme le son d'un coucou chantant doucement. Krishna aime beaucoup jouer de cette flûte dans les ragas Gaudi et Gardjari. Donc, il y a plein de ragas. Parce que les ragas, c'est dans différents temps de la journée. Certains ragas sont pour la nuit, certains ragas sont pour le matin. Donc, par exemple, quand on chante le Mangalarti le matin, ce sont des ragas du matin. Et si on essaierait de chanter d'autres mélodies, ça n'irait pas avec l'humeur du Mangalarti. Ok, écoutez ça. Le merveilleux mantra sacré qu'il chante est le nom de sa très chère Radharani. Donc, le mantra préféré de Krishna, c'est Radharani. Et le mantra préféré de Radha, c'est Krishna, ou Kama. Parce que quand on chante le Mahamantra, c'est spécial le Mahamantra, parce que quand on chante Hare, Krishna est saute de joie, en extase. Et quand on chante Krishna, Radharani est saute de joie. Et quand on chante Rama, les deux sautent en extase. C'est pourquoi c'est tellement spécial de chanter le Mahamantra. OK. Sa canne s'appelle Mandana, sa vina. OK, donc Krishna a une vina aussi. Intéressant. Donc sa vina s'appelle Tarangini. Les deux cordes qu'il porte, okay, les cordes qu'il utilise pour attacher dans les vaches ou les jambes des vaches lorsqu'il veut traire les vaches, s'appellent Pasu Vasikala et son seau à lait s'appelle Amrita Dorani. C'est tellement spécial. C'est tellement purifiant d'entendre ces différents noms des ornements de Krishna. Sur le bras de Krishna se trouve une amulette parsemé de 9 bijoux, donc Nava Kovacha, et placé là par sa mère pour sa protection. Donc, il y a quelque chose par rapport aux amulettes qu'on va décrire tout à l'heure. Ces deux bracelets s'appellent Rangada. C'est... OK. Je l'ai traduit du français. Donc, il y a bracelet deux fois, ça doit être... Il doit avoir deux mots différents. Donc, il y a des bracelets, puis il doit avoir quelque chose qui va sur les bras, quelque chose qui va sur les poignets. Ça doit être ça, la différence. Donc, il y a des bracelets Rangada, et il y a des bracelets qui va sur les poignets qui s'appelle Sobhana. Sa chevalière, c'est quoi ça? Ça a été traduit comme ça, j'ai pas le temps de corriger, excusez-moi. Donc sa bague s'appelle Ratna Mukhi. Et ses vêtements jaunes s'appellent, donc son dhoti s'appelle Nigama Sobhana. Donc quand vous, je sais pas si vous allez vous en rappeler, mais si vous voulez méditer un peu plus sur le dhoti de Krishna, vous pouvez vous rappeler qu'il s'appelle Nigama Sovana. Donc la chaîne de sa petite cloche, ses clochettes de cheville, s'appelle Kalajankala. Et ses deux bracelets de cheville, donc il y a la cloche qui s'appelle Kalajankala et il y a le bracelet en soi, en fait les clochettes en tout, s'appelle Amsa Ganjana. Les têtements de ses ornements enchantent les cerfs qui sont l'esprit des gopis aux yeux des cerfs. Le collier de perles de Krishna s'appelle Taravali et son collier de bijoux s'appelle Tadit Prava. Le médaillon qu'il porte sur sa poitrine est nommé Ridaya Modana et il contient une image de Srimati Radharani. Donc d'où ça vient ça? On voit des couples qui portent ça, non? Qui portent un petit médaillon avec l'image de leur bien-aimé. Donc ça vient de Radha Krishna. Le joyau de Krishna s'appelle Kastuba. Est-ce que vous vous rappelez comment il a acquis ce joyau, le joyau Kastuba? C'est suite au divertissement avec Kaliya, lorsque Krishna il était sur le point de tuer Kaliya, donc il a épargné. Et les femmes de Kaliya, le serpent Kaliya, elles sont approchées de Krishna et elles lui ont offert plusieurs prières. Et à la fin, elles lui ont donné le joyau Kastuba. C'est comme ça que Krishna l'a reçu. Les femmes du serpent Kaliya. Ah, ça veut dire, les épouses du serpent Kaliya ont donné ce joyau au Seigneur de leur propre main. Les boucles d'oreilles en forme de requin de Krishna sont appelées Ratira Gadi Daivata. Sa couronne s'appelle Ratnavara et son bijou de crête s'appelle Chamala Damali. La couronne de plumes de pan de Krishna s'appelle Navarat Navindava. Non, Navarat Navidamba.
sont reliés gunja. Les gunja, c'est des fleurs. Gunja berries, des baies gunja, c'est des baies en fait dans la forêt d'Indavan qui sont utilisées pour faire des canons de fleurs. Son collier Gunja s'appelle Ragavali et son marca, son tilak est une personne aussi, il s'appelle Dristi Mohan. Voilà. La guirlande de fleurs et de feuilles de la forêt de Krishna qui atteint ses pieds et contient des fleurs de 5 couleurs différentes s'appelle Vaijayanti. C'est un nom qu'on connaît en général, c'est écrit aussi en Bhagavatam, Vaijayanti. Ça veut dire qu'elle contient 500 de fleurs. J'avais aussi trouvé des ornements de Srimati Radharani, mais là, je ne veux pas, ça va prendre plus de temps. Mais j'avais envie de vous les partager aussi. Donc, il y a la même chose pour aussi tous les ornements de Srimati Radharani. Donc, ça nous montre à quel point c'est personnel. C'est ça qui est spécial quand même avec le Vaishnavisme Bodhiya, c'est qu'il y a tellement d'informations personnelles sur le Seigneur suprême. OK. Donc, je vais vous partager un divertissement très spécial. Est-ce que vous connaissez le divertissement de la colline Kambi? Avez-vous déjà entendu parler de la colline Kambi? Ah? Et toi? Non, ok. Ouf. Pas tout le monde. Donc, ce divertissement, il est plus... dans le Sakaras, non, c'est un divertissement entre Balaram et ses Sakas. C'est spécial le Sakaras parce que c'est un rasa qui manifeste une égalité. Donc, dans le Préobhakti Rasanava, c'est un texte de Nayanandana, non, qui a été traduit par différentes personnes, mais il y avait une soirée qui l'a traduit en anglais. Et donc, nous, ici, on l'a traduit en français aussi. Et donc, ce texte, il explique beaucoup plus en profondeur, en fait, le Sakaras, plus précisément le Priya Sakarasa, hein, veut dire ceux qui sont du même âge de Krishna. Et donc, dans ce livre, mais aussi dans le Javadharma, c'est expliqué plus précisément qu'est-ce que le Sakaras, c'est un sentiment d'égalité envers Krishna, d'affection similaire. C'est que Krishna et aussi son ami, ils ont le même sentiment l'un pour l'autre. Non. Tandis que le sentiment que Krishna a pour sa mère et sa mère pour lui, ce sont des sentiments différents. Mais, en tant que Saka, ils ont un sentiment, une affection similaire l'un pour l'autre. Donc, les Sakas, c'est expliqué par Naya, Nandana, qu'ils n'ont pas de part. Ils aiment faire des blagues avec Krishna. Ils se sentent très proches de lui et ils n'ont pas de gêne avec Krishna. Ils sentent que Krishna est leur ami et comme leur ego. C'est ça le point principal. Ils se sentent comme un ego avec Krishna. Il n'y a pas de sentiment de supériorité ou d'infériorité. Et donc, dans ce divertissement, C'est un divertissement où Balaram il est tout seul avec ses sakas. Parce qu'il faut comprendre que, donc normalement, Krishna et Balaram sont ensemble avec tous les sakas, mais sur l'heure du dîner, donc Krishna, entre 10h34, ça fait quand même un long moment de journée, de 10h34 à 3h22, Krishna il retrouve Radharani et les gopis avec certains de ses amis confidentiels, qu'on appelle les Priyarama Saka. Il les rencontre à Radhakund. Donc, à tous les jours, normalement, c'est Radhakund. Donc, de 10h34 à 3h22, ça fait quand même presque 5 heures. Donc, Krishna, il part 5 heures dans la journée rencontrer Radharani des gopis. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui fait que les Sakas, ils oublient, mais ils sont concentrés sur autre chose, c'est que Balaram, il reste avec tous les Sakas de Krishna. Donc, quelques Sakas partent avec Krishna, mais la plupart des Sakas de Krishna restent avec Balaram. Et à ce moment-là, c'est Balaram, en fait, qui garde tous les sakas absorbés, en fait, dans le jeu pour qu'ils oublient que Krishna est parti. Et donc, à un moment donné, Krishna, il revient, et toujours sur le prétexte qu'il y a une vache qui s'est égarée. Donc, il revient, et là, les sakas, ils réalisent que Krishna est de retour. Après 5 heures, 5 heures plus tard. Et donc, dans ce divertissement, Balaram, il est avec tous les sakas de Krishna et ses sakas, et ils vont dans le sud de Vrindavan. C'est à Beaumont, Vrindavan, donc ils vont dans la section le plus au sud, d'un endroit qui s'appelle la colline Kambi. C'est un endroit où c'est une petite colline, c'est pas une montagne, c'est pas aussi haut que Govardhan, c'est comme une petite colline. Et donc, c'est un endroit qu'ils apprécient beaucoup parce que c'est un endroit où l'herbe, elle est fraîche, elle est haute, et lorsqu'ils vont sur le dessus de cette colline, ils se glissent, tous les gopas, ils se glissent jusqu'au bas de cette colline. Et donc, lorsqu'ils sont allés à Balaram et tous les gopas, lorsqu'ils étaient à la colline Kambi, Balaram, il est devenu sérieux.
Et donc, pour les Gopas, c'est quelque chose de particulier parce que normalement, ils font toujours des blagues toute la journée, ils font des jeux. Et donc là, Balaram, il avait une humeur très grave, il est devenu très sérieux. Et donc, il a demandé à tous les Sakas de s'asseoir et il leur a dit, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Donc ici, on est au point le plus au sud de Vrindavan. Et donc là, avec un bâton, il a fait une ligne sur le dessus de cette colline. Il a tracé une ligne. Et donc, il a regardé tous les gopas, il leur a dit, pour regarder cette ligne, en fait, de ce côté, c'est Krishna. Non. De ce côté de cette ligne, c'est Krishna. Et de l'autre côté de la ligne, c'est Maya, l'énergie illusoire. Et donc, si vous restez de ce côté, vous serez protégé par l'atmosphère spirituelle de Vraj. Mais si vous traversez cette ligne, vous serez sous le règne des trois modes de la nature, de l'énergie matérielle. Et là, les sakas. Parce qu'il faut comprendre que même si ce sont des associés éternels de Krishna, ils sont en humeur de petits enfants innocents. Non. Et donc, ils se sont tous regardés les uns les autres. Oh, quoi? De l'autre côté, c'est Maya. Et donc, Balaram, il leur a dit que donc, si vous traversez cette ligne, alors vous serez victimisé par l'énergie matérielle. Il a utilisé ça. Victimisé, non? Par les trois modes de la nature et vous tomberez dans l'illusion. Et donc, les sakas se sont dit, quoi? On peut tomber dans l'illusion. Et donc, il leur a dit, si vous restez de ce côté, vous serez protégé par Krishna et par moi et par l'atmosphère de Vraj. Et donc là, ils ont pris ça au sérieux. Mais comme ce sont de jeunes enfants curieux et innocents, ils ont entendu que Balaram, il a descendu la colline et il est allé chercher un veau qui s'était égaré, qui s'était perdu. Et donc, ils ont eu cette opportunité, comme c'est des jeunes garçons, pour traverser la ligne. Et donc, ils se regardaient tous les uns les autres et se disaient, est-ce que tu es... Je te mets au défi de traverser la ligne. Et donc, au début, ils avaient peur parce que lorsque Balaram leur parlait, avant qu'ils se mettent au défi, ils avaient peur que s'ils traversaient la ligne, ils allaient devenir des démons. Et donc, il y a un gopa qui a dit à un autre, écoute, si tu traverses la ligne, alors tu deviendras Agasura. Et donc, il a dit, si tu traverses la ligne, toi, tu seras Putanam. Si toi, tu traverses la ligne, toi, tu seras Kaliya. Et donc, il se disait comme ça. Donc, si tu traverses la ligne, tu verras, tu te transformeras en démon. Et donc, par la suite, ils ont commencé à se défier les uns les autres, se dire, OK, est-ce que toi, je te mets au défi de traverser la ligne. Et donc, ils étaient tous en train de se chamailler comme ça. Et donc, il y a un gopa plus âgé qui s'est dit, non, écoutez, on va tous traverser la ligne ensemble. Et donc, comme des jeunes enfants, je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Donc, il y a une ligne, non? Une ligne qui est tracée dans l'école ou quelque part, une ligne qu'on ne doit pas traverser, donc une clôture. Et donc, pour faire un jeu, on va sauter, non, d'un côté et de l'autre de la ligne. Et donc, les copains faisaient ça. Donc, ils faisaient un bond, ils sautaient, ils retournaient de l'autre côté de la ligne. Et donc, ils faisaient ça. Et ensuite, pour se tester les uns les autres, donc, certains gopas sont allés jusqu'à 100 mètres de l'autre côté de la ligne. Et donc, il y a des gopas qui s'imaginaient cette illusion Maya et lui disaient, hey, coucou, Maya, on est là. Si tu nous vois, viens nous trouver, viens nous chercher. Et donc, les gopas, ils testaient en fait Maya, l'énergie des heures comme ça. Et donc, après ça, il y a un gopa plus âgé qui les a regardés. Il a dit, hey, non, on devrait faire attention. Balaram nous a quand même averti qu'on pourrait être... On pourrait être victimisé hein, par l'énergie matérielle. Et donc, ils sont tous retournés de l'autre côté de la ligne. Ils sont regardés les uns les autres. Et donc, finalement, ils ont terminé leur jeu et ils sont retournés, ils sont redescendus la colline. C'était le temps du repas, du goûter. Et donc, ils se sont tous assis en rond. Et naturellement, comme beaucoup des gopas, pas tous, mais beaucoup des gopas avaient traversé la ligne, ils se regardaient les uns les autres. Et là, ils se disaient, est-ce que tu as traversé la ligne? Moi, je dis, oui, j'ai traversé la ligne. Est-ce que toi, tu l'as traversé? Non, moi, je n'ai pas traversé. Et donc, Balaram, il était assis, il voyait les copains parler de cette manière, et donc, il s'est dit, oh non, ne me dites pas que vous avez traversé la ligne. Et donc, là, il a pris encore un ton très grave, il a dit, pourquoi est-ce que vous avez traversé cette ligne? Je vous l'ai dit, c'est dangereux parce que de ce côté, nous sommes protégés, mais... OK, mais en fait, les gopas là, ont commencé à répéter à Balaram qu'ils avaient traversé la ligne, qu'il ne s'était rien passé, qu'il n'y avait eu aucun problème. Et donc, Balaram a dit, oui, peut-être que pour vous n'avez pas eu de problème, vous êtes des associés éternels de Krishna. Donc, vous ne pouvez jamais être dans l'illusion, mais de l'autre côté de cette ligne, il y a des âmes qui sont conditionnées par cette énergie et qui ont oublié Krishna. Et là, les gopas se regardent, quoi? Oublier canaille? Mon canaille? Comment
comment est-ce qu'on peut oublier Canaille? Comment est-ce que c'est possible? Et donc, ils se regardaient, ils étaient complètement bouche-bée. Comment est-ce que c'est possible d'oublier Canaille? Et donc, Balaram leur a dit, mais oui, pour vous, c'est, je comprends, c'est pas possible pour vous d'oublier Krishna, mais pour ces personnes qui sont de l'autre côté, ils ont complètement oublié Krishna. Ils ont complètement oublié qui ils sont et ils sont victimisés, ils sont pris dans cette illusion de Maya. Et donc là, les copains ils se sont regardés tous les uns. Quoi? C'est possible d'oublier Krishna? Et donc, dans leur cœur pur, dans leur compassion, ils sont allés voir Balaram et ils ont supplié Balaram, s'il te plaît Balaram, dis-le à tout le monde de ne jamais traverser cette ligne de la colline Kandy. S'il te plaît, fais en sorte que personne n'oublie cette règle, non, de traverser, de sortir de cette colline. Et donc, ils étaient attristés aussi dans leur compassion, ils étaient profondément tristes de savoir qu'il y avait plein d'âmes qui étaient dans le monde matériel et qui étaient dans l'oubli de Krishna. Ça montre en fait leur compassion pour les âmes conditionnées. Et dans ça, il y a quelque chose d'intéressant, on peut voir aussi dans le personnage de Prabhupada et de tous les acharyas qui sont venus dans le passé, qui viennent aujourd'hui et qui viendront en futur, qui traversent la ligne hein, pour aller dans le monde matériel, pour rencontrer les âmes conditionnées, mais même aussi en Inde, parce que c'est expliqué pour un sannyas qui est en Inde, à Bharat, parce que Bharat veut dire lumière, c'est la terre de la lumière. Non? La lumière qui veut dire la connaissance transcendantale, les sadhus qui sont présents, les lieux de divertissement Krishna. Non? Et donc, il y a une règle dans les Shastras qui explique qu'on ne devrait jamais traverser, quitter Bharat Varsha. On ne devrait jamais traverser l'océan. Et le plus on s'éloigne de Bharat Varsha, le plus on s'éloigne du Dharma. Donc Prabhupada, il a quitté Vrindavan. Il a expliqué lui-même à un de ses disciples, non, je ne me rappelle pas exactement c'est dans quelles circonstances, il a révélé que lorsqu'il était à Vrindavan, Krishna est venu le voir, il lui a demandé de descendre dans le monde matériel. Et donc, il lui a dit, j'ai une mission spéciale pour toi, je veux que tu viennes libérer beaucoup d'âmes conditionnées dans le monde matériel. Et là, Prabhupada, dans sa forme éternelle, non, il a regardé Krishna, il lui a dit, oh Krishna, s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller dans le monde matériel. J'ai pas envie de traverser la ligne, s'il te plaît, ne me demande pas de faire ça. Et donc, Krishna lui a dit, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, je serai toujours avec toi, non, ne t'inquiète pas, je vais tracer le chemin pour toi. Et donc, Prabhupada, il a exprimé ça, qu'il avait pas envie de venir dans le monde matériel. Et même, il y a un autre moment aussi, c'est lorsque Prabhupada il avait manqué de quitter son corps, je crois que c'était en 1970, il avait fait une troisième crise cardiaque. C'est la raison pour laquelle il est allé en Inde par la suite, mais il voulait se reposer en Inde. Donc, il a passé du temps à Vrindavan aussi à ce moment-là. Et donc, il était sur le point de quitter son corps, donc il était très faible physiquement. Et Krishna est venu le voir et il lui a dit, écoute, je m'ennuie de toi, je suis en séparation de toi, pourquoi tu ne reviens pas tout de suite? Donc, tu as déjà fait, tu as déjà commencé une mission, tu as des disciples qui peuvent continuer pour toi, s'il te plaît, reviens avec moi. Tu as assez fait. Et donc, Prabhupada, il a expliqué qu'il a argumenté avec Krishna, il lui a dit, écoute, je comprends que moi aussi, je suis en séparation de toi, mais j'ai une mission à accomplir, elle n'est pas terminée, puis je dois continuer, mes disciples m'attendent, et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, Krishna, donc c'était comme un test de Krishna, parce qu'il voulait que Prabhupada revienne avec lui. Et mes frères lui ont dit, écoute, non, je ne peux pas, il faut que je continue la mission. C'est quand même spécial. Hein? Même parfois, quand Krishna il envoie quelqu'un, il veut qu'il revienne aussi. Non, c'est spécial. Et c'est expliqué, je ne sais pas si c'est dans ce moment exactement, mais Prabhupada il était revenu, il avait une magnifique guirlande de fleurs avec des fleurs, avec des types de fleurs qu'on ne retrouve pas dans ce monde. Donc, il y a certains disciples qui ont vu cette guirlande, elle était vraiment radiante, il avait des fleurs vraiment, vraiment merveilleuses. Hein? Et donc, les disciples ont réussi. Prabhupada, avec cette immense guirlande de fleurs, ils étaient complètement choqués de voir ça. Donc, c'est normal, parce que Prabhupada, bien souvent, on peut voir lorsqu'il chantait Jaya Radha Madhava. C'est spécial de voir Prabhupada chanter Jaya Radha Madhava. Il était vraiment dans une extase spéciale, vraiment absorbé dans les divertissements de Hare Krishna. Il y a quelque chose de spécial par rapport à ça aussi. Donc, c'est une petite parenthèse, mais c'est quelque chose d'intéressant. Prabhupada, lorsqu'il était dans le Jalabhuta, donc il était dans une profonde séparation. Parce qu'il venait de quitter Vrindavan, non? Et donc là, en plus de quitter Vrindavan, il avait en plus quitté Bharat Varsha et qui traversait l'océan pour aller même au-delà de l'Europe. Donc, comme on avait expliqué, le plus on s'éloigne de Bharat Varsha, le plus on tombe dans la déchéance. Le plus il y a la déchéance, le plus il y a la passion et l'ignorance. Et c'est ce que Prabhupada a constaté, hein, quand il est arrivé à Boston, je suis déjà allé.
Et même encore aujourd'hui, il y a quand même une atmosphère un peu glauque, non? Mais à cette époque-là, en 1960, dans les années 1960, dans le port, quand c'était des marins, non? Il y avait des prostituées, il y avait des bars. Et Prabhupada, la première chose qu'il a vue lorsqu'il est arrivé en Amérique, c'est des prostituées, il a vu des bars, il a vu des marins sous. Donc lorsqu'il a vu ça, il était un peu découragé. C'est ce qui l'a poussé à écrire la Martini Bhagavad Dharma, c'est une très belle prière qu'il a écrite dans le, sur le, au port de Boston. Boston Pier, ça s'appelle, le port de Boston. Et donc, lorsqu'il était dans le Jared Utta, il a écrit une belle, je ne sais pas si c'est un poème ou une chanson, mais il a écrit quelque chose de vraiment touchant. Donc, il exprime en fait son sentiment et ça démontre un peu plus quel est, on pourrait dire, le sentiment de Prabhupada envers Krishna. Parce qu'il explique que quand, oh Krishna, mon cher ami, quand je serai à tes côtés, à me rouler sur la terre de Vraj, à partir tôt le matin avec toi et à m'occuper des vaches avec toi et à passer la journée entière dans les forêts de Vrindavan avec les vaches, à jouer, danser et à rouler dans l'extase de Vraj. C'est quand même très spécifique. Bon, quand même, il exprime quand même quelque chose de particulier, de personnel, qu'il se voit, il voit Krishna comme son cher ami et il se voit passer la journée entière avec Krishna dans les forêts de Vraj. Donc, c'est pourquoi aussi Prabhupada au Krishna Balaram Mandir, non, les déités qu'il a mis au centre. Il faut comprendre que lorsqu'on établit des déités au centre, les déités du centre de l'autel sont les déités principales. Non. Et c'est pourquoi ces déités, elles représentent l'humeur du temple. Bon, c'est intéressant parce que on peut voir que Prabhupada, il a mis Krishna et Balaram au centre de l'autel, Krishna Balaram Mandir. Et donc, c'est par sa miséricorde, il a traversé, il a quitté Vrindavan, il a quitté Bharadvarsha, il est allé il a vraiment traversé tout l'océan pour aller dans un des endroits les plus déchus de la planète, donc, aux États-Unis. Et donc, il a partagé sa miséricorde. Donc, on continue au divertissement de Kandi. Et donc, Balaram, il leur a dit, et là, ils étaient complètement choqués. Et donc, là, par leur compassion, ils pleuraient, c'est expliqué, ils pleuraient. En fait, tous les gopas pleuraient de savoir qu'il y avait des âmes de l'autre côté de la colline Kandi qui était dans l'oubli de Krishna. Et donc, une fois qu'ils ont réalisé ça, Balaram, il a pris sa pioche, il a tracé une ligne sur le dessus de la colline Kandi, il a installé en fait un pilier en pierre pour commémorer cet endroit qui ne devrait jamais être traversé. Et donc ensuite, ils sont allés plus loin, ils sont allés dans la forêt de Asyavan. C'est une forêt qui est très spéciale. Asya veut dire le rire. Et donc, Asyavan, c'est la forêt du rire et de la comédie. Et donc, lorsqu'ils sont allés, donc, Balaram, ils ont retrouvé Krishna dans la forêt de la comédie, dans la forêt du rire. Ils ont retrouvé Krishna avec tous les sakas. Et c'est une forêt qui est très spéciale. Un verset des Acharyas explique que ceux qui méditent sur la forêt d'Asyavan pourront entendre les échos des rires des gopas dans la forêt de Asyavan. Et eux-mêmes, tous ces Vaishnavas seront pris d'extase et commenceront eux-mêmes à rire en entendant l'écho des rires de la forêt de Asyavan. C'est tellement spécial. Et donc, Balaram, il a retrouvé Krishna. Et donc, les gopas, ils étaient très touchés de retrouver Krishna, surtout après avoir vécu ce qui s'était passé à la colline Kandi. On partageait que, donc, à Kandi, il y a une ligne que Balaram, il a délignée. Et donc, à cet endroit, il a expliqué que l'autre côté de la colline Kandi, comme c'est l'endroit le plus au sud de Vrindavan, se trouve le monde matériel. Et Balaram, il a dit au Gopa, je vous interdis de traverser cette ligne. Parce que de l'autre côté se trouve Maya. De ce côté est Krishna, de l'autre côté est Maya. Si vous restez ici, vous serez sur le refuge de Vrindavan, vous serez dans l'atmosphère de Vraj. Et si vous traversez la ligne, vous serez victimisé par les trois mains de la nature. Et donc, il y a tout un divertissement où les gopas, ils traversent la ligne, ils vont s'en mettre plus loin. Et donc, ils mettent au défi Maya de venir les chercher, de les mettre dans l'illusion. Et donc, il y a un des gopas qui est plus âgé qui leur dit, OK, là, je pense qu'on devrait retourner. Balaram nous a dit de revenir à Vrindavan. Et donc, il y a tout un divertissement où Balaram dit, OK, je comprends, vous n'avez pas été dans l'illusion parce que vous êtes des associés éternels. Mais de l'autre côté, des milliards et des milliards d'âmes conditionnées qui sont complètement dans l'oubli de Krishna. Et là, les gopas se sont tous regardés. Quoi? Canaille? Comment est-ce qu'on peut oublier canaille?
Et donc, Balaram leur a dit, oui, vous, vous ne pouvez jamais oublier Kanak, mais eux, de l'autre côté de la ligne, sont complètement dans l'oubli de Krishna. Et ils se sont mis à pleurer, en fait. Tous les gopas se sont mis à pleurer parce qu'ils ont réalisé que de l'autre côté de la ligne, de Kambi, étaient des multitudes d'inconditionnés qui étaient complètement dans l'oubli de Krishna. Et donc, ils ont supplié Balaram de s'assurer que tous les associés de Vraj n'oublient jamais qu'ils ne devraient jamais traverser, en fait, la colline Kambi. Et c'est à ce moment-là qu'il a, il a pris sa pioche et il a tracé une ligne, il a installé un pilier de pierre qui est toujours présent aujourd'hui, en fait, la colline Kambi, à Boma Prindavan. Et donc, ils se sont tous retrouvés à Asyavan. Et lorsque les gopas ont rencontré Krishna à Asyavan, ils se sont tous assis à prendre le repas ensemble. Et donc, les gopas se sont posé une question. Donc, ils ont posé une question à Krishna. Ils lui ont demandé, comment se fait-il, Krishna, que tu aies réussi à tuer autant de démons? Qu'est-ce qui fait que tu as été capable, parce que Krishna, il a tué 5000 démons lorsqu'il était à Boma Vrindavan. Il en tuait un le matin et un l'après-midi. Et donc, si on fait le calcul, pendant qu'il était présent à Boma Vrindavan, il a tué 5000 démons en tout. Ça fait quand même beaucoup de démons. Et donc, les gopas, ils se sont posé cette question. Mais quel est ton truc, Krishna? C'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu as un mantra secret qui fait que tu es capable de tuer des démons? Et donc, ils ont tous commencé à rire comme ils étaient dans la forêt de Asyavan. Et donc, d'autres gopas lui ont dit, est-ce que c'est tes amulettes que Maya Yashoda pose sur tes bras et sur tes jambes? Est-ce que c'est tes amulettes qui te protègent des démons? Ne t'en fais pas, Krishna, on dirait à personne que tu portes tes amulettes et on n'essaierait pas de te les voler. Et donc, ils ont commencé à rire avec Krishna. Et Krishna leur a dit, OK, je vais vous dire pourquoi en réalité je réussis en fait à battre ces démons. Mais est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous allez avoir foi en ce que je vais vous dire? Est-ce que vous allez accepter ce que je vais vous dire? Et là, les gopas lui ont dit, bien sûr, Krishna, on a foi en ce que tu dis. Et donc, Krishna, il leur a dit, écoutez bien. Donc, lorsque Garga Muni est venu pour faire mon astrologie, donc Garga Muni a dit à mon père que j'étais Narayan. Donc, il a dit à mon père que comme j'étais Narayan, j'allais protéger mes dévots et j'allais détruire tous leurs obstacles sur leur chemin et que j'allais les protéger de toutes les calamités. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai réussi à tuer tous ces démons. Donc, les gopas se sont regardés. Toi, Krishna, toi, Narayan. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, ils ont apprécié que Krishna était Narayan et ils ont dit à Krishna, en fait, Krishna, tu es notre héros. Tu es notre héros de Vraj. Et comme tu es notre héros, en fait, on apprécie que tu sois Narayan. Mais comme tu es notre héros, c'est ça qui est intéressant. Et le plus ils pensaient sur le fait qu'en fait Krishna était Narayan, le plus ils avaient de l'amour pour Krishna comme le héros de Vraj. Le plus ils aimaient Krishna comme le règne. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est que même si Krishna expliquait qu'il était Narayan, comme ils étaient dans un sentiment fraternel envers lui, même s'ils exprimaient ça, les gopas, le plus ils entendaient parler que Krishna était Dieu, le plus ils sentaient de l'amour fraternel pour lui en fait. Donc c'est ce qui naissait dans les gopas, et le plus Krishna recevait cet amour fraternel de ses gopas, le plus aussi il voulait réciproquer avec eux dans l'amour fraternel. C'est ça l'amour de Vraj en réalité. Et donc, lorsqu'ils étaient dans la forêt, ils ont eu plein de fous rires, et c'est pourquoi en fait cette forêt s'appelle Asyavan. Elle contient l'écho, non les échos des rires des gopas et de Krishna. Et un peu plus loin, au nord de Asyavan, il y a un endroit, c'est un village qui s'appelle Mahali. C'est un village qui est très spécial, et les acharyas expliquent que ce village, il contient des habitants qui sont très spéciaux. C'est expliqué que, avant de parler, chaque habitant dit, par exemple, si je te pose la question, comment vas-tu? Chaque habitant commence par Krishna, 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 comment vas-tu? Et donc, l'autre répond, Rama, 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 je vais bien. Donc, c'est ce qui est expliqué, c'est que dans ce village de Mahali, les résidents de Mahali sont très conscients de Krishna, donc, et aussi, ils n'ont aucune malice, ils n'ont aucune envie envers les uns les autres. Il n'y a aucun sentiment de supériorité ou d'infériorité. Et c'est expliqué qu'ils ont toujours les noms de Krishna sur leurs lèvres, ils ont toujours les divertissements de Krishna dans leur mental, et ils ont toujours un attachement pour Krishna dans leur cœur. Donc c'est comme ça que les résidents de Mahali sont décrits. Et donc c'est expliqué aussi que comme les résidents de Mahali sont toujours en train de se souvenir de Krishna, donc, la vibration transcendantale, donc les acharyas expliquent que pour faire renaître l'atmosphère de Mahali, nous avons tout simplement juste besoin de chanter les noms de Krishna. Et par cette douce vibration, on pourrait dire la pureté de Mahali se manifestera. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre à quel point, en fait, le Mahamantra, l'écoute des gloires de Vraj, manifeste, en fait, dans le lieu saint
et aussi manifeste une atmosphère propice à la dévotion et à l'échange d'amour entre les Vaishnavas. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. À quel point l'écoute et le chant sont essentiels pour faire naître le Dhamma, mais aussi pour nourrir les relations entre les Vaishnavas. Donc, c'était très beau. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous invite aussi donc, à rechercher un peu plus dans le Radha Krishna Ganadesh Deepika sur ces différents ornements, parce qu'on avait écrit, Prabhupada Goswami, il explique tous les différents ornements sur le corps de Krishna et chaque nom, en fait, de ces différents ornements. Il explique chaque personne et quel est son nom et certaines de ses qualités. Donc, on a invité les dévots à un peu lire, en fait, les différentes personnes qui sont, les différents ornements qui sont sur le corps de Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Hasyavan Ki, oui. La colline Kambiki. Oui. Sinon, le livre Shiva Maharaj, c'est dans différentes choses. Certains dans le livre de Shiva Maharaj, puis certains dans les classes aussi de Dindra Dina Maharaj. Ouais. Il partage beaucoup de divertissements intéressants.